Salut tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue pour ce point de l'EME TV Basket saison 2020-2021. L'EME Basket TV. J'étais presque. J'étais presque, c'est quoi ça? L'EME Basket TV. L'EME Basket TV, ouais. C'est ce qu'il a dit, c'est non? C'est ce que j'ai dit. L'EME TV Basket. Ah, j'ai ouais. Peut-être dit ouais. Ah, L'EME Basket vas-y, TV. Vas-y, je te laisse essayer, vas-y. Sinon, je suis pas trompé. Bonjour à tous, Niachi Brandon, vous êtes bien sur l'EME Basket TV, saison 2020-2021. Samson Lucas, 21 ans. Poste 4 en équipe première, on est sur scène et je suis là depuis environ 8-9 ans au club. Niachi Brandon, poste 2, j'ai 26 ans, je suis là depuis toujours. J'ai grandi, je suis enfant du club. Haché Sofiane, poste 1-2, ça fait maintenant 14 ans bientôt que j'évolue sur scène. J'ai 21 ans. Donc vous êtes prêts pour la reprise? Ça s'est passé comment l'été, le confinement? Le confinement, beaucoup charbonné sur la muscu et peu de fois sur tout ce qui est course, etc. Donc on va dire que je suis à moitié prêt pour la pré-saison mi-août. Donc, bon. Ouais, pareil, hein, ça a été du travail juste à la maison, hein, pas énormément de courses, juste des pompes, un peu de gainage, sinon. Je veux dire comme Lucas, hein. On va dire, moi je suis à 40%, à 40% je suis prêt, c'est tout, sinon pas plus. Bah moi, contrairement à mes coéquipiers, j'ai pas fait de muscu, j'ai que touché du ballon durant le confinement, et jusqu'à aujourd'hui j'essaie de toucher le ballon régulièrement, et pour la muscu j'attends la reprise physique. Préférez été ou hiver? Été. Été. Hiver, parce qu'il fait pas chaud dans le gymnase. On s'entraîne bien, on est tranquille. L'été c'est trop, non, c'est trop, c'est une torture. Ouais, mais justement c'est mieux l'été, plus c'est dur, plus c'est bon. Avec la chaleur et tout, bah ouais. C'est beaucoup mieux. Au moins plus c'est froid, plus c'est bon. Au moins tu peux faire la séance extérieure en été. Bah ouais, ça peut nous permettre d'alterner. Bah non, on évite les séances à l'extérieur. C'est bien de courir, enfin c'est mieux de courir dehors que dans le gymnase. Faire, après l'été en France, c'est un été caniculaire, j'ai envie de vous dire. Du coup, franchement, on peut jouer dehors. Excusez-nous l'Africain. Vous êtes plus PSG ou Marseille? Marseille. Ouais. PSG. Le Real Madrid. Vous êtes plus LeBron ou Jordan? Jordan, hein. Ouais, respecter les Jordan. Anciens, hein. Ouais. Même si LeBron, je m'inspire plus de lui. Jordan. Bon, toi, arrête de faire semblant de bugger. J'aurais dit LeBron, si j'avais pas vu le documentaire, mais Michael Jordan. Ça s'enregistre. Alors, vous préférez vous faire crosser et tomber ou faire facer? Facer sur facer. Un shoot ou un poster? Sur un poster, ouf. Ah, bah un crosser. Ah, je peux prendre un poster. Ah, je préfère me faire crosser. Ouais, ça aussi, dépend de la situation. Je préfère me faire crosser parce que le mec donné, il peut me crosser, vécu, je tombe, il shoot et il rate. Donc je préfère ça. Alors que face, c'est sûr et certain, ouais. C'est sûr. Pour l'équipe, Brandon a raison. Mais t'as vu, si c'est en isolation, tête à tête, fin de possession. Ouais. Oh, non, après, ça, Lucas, je pense qu'il va dire qu'il préfère le cross. Je pense que lui, il a déjà goûté au cas. Le poster, il s'y connaît. Il s'y connaît. Demande à Nancy, ils vont te dire. Préférez mettre 30 points et perdre ou mettre 0 points et gagner? 0 points et gagner. Moi je te mens, si je te dis je mets 0 points et gagne, ouais, je suis content. Gagner, la vie de ma mère, je serais pas content. Je préfère gagner et mettre 0 points. Non, pas moi. À qui vous ne donneriez pas la balle dans le money time? 3, 2, 1. Je peux me justifier, moi? Oui, t'as le but. Étant donné qu'il n'a pas marqué trop en cette saison, je ne lui donnerai pas le ballon. Pas de panier marqué en une saison, les mecs.
J'accepte. J'accepte. Il a raison, il a raison. J'accepte. C'est vrai que si vous me donnez la base dans le money time, vous risqueriez de ne pas la revoir. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, selon vous, qui de vous trois, on pourrait oublier dans le bus lors d'un déplacement? 3, 2, 1. Lui, ouais. Lui. Moi, sur son PC H24, il calcule personne. C'est vrai. Toi, on t'entend même pas. De toute façon, au retour, son nom de famille, c'est Sanson. Ouais. On l'entend même pas pendant le trajet, on n'entend rien. Il est là dans son. Puis en plus, il est amoureux. En plus. Qui serait capable de sortir et de faire une nuit blanche avant un match très important? Oh, la question se pose. Il n'y a plus de suspense 3-2. Il n'y a plus de suspense là, c'est lui. C'est là. Même lui. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ok, qui selon vous, bon là, on va dire dans l'équipe, a les habitudes d'avant match ou même les gestuels les plus bizarres? Draman. Draman. C'est le seul poste 5. Qui va commencer l'échauffement en tirant à 3 points, se rapprochant à mi-distance, faire des laybacks avec un reverse, avec la balle entre les jambes, donc caler la balle derrière la nuque, tout ça. Après, il est fort. Et c'est le seul mec qui fait des doubles pas, main droite à gauche aussi. Il y a une préparation spéciale. Aussi, on a oublié ça. On a oublié la préparation spéciale. Tipping, comment je vous tire, t'as capté Draman. Qui a les goûts musicaux les plus bizarres? 3, 2, 1. Moi? Bah oui. En quoi? Frère, t'es. Vas-y, j'écoute personne! J'écoute de tout. Voilà, déjà, t'écoutes de tout. Mais d'où c'est bizarre d'écouter de tout? Frère, t'écoutes des trucs. Ouais, des trucs comme ça, là, frérot. Non, mais quand t'écoutes de tout, c'est que t'écoutes des trucs bizarres aussi. Ben non! Bah si, frère. Ben, j'écoute de tout. Qui fait le plus de conneries quand le coach a le dos tourné? 3, 2, 1. J'ai pas fait exprès. C'est sûr. Des exemples à donner? Cette année là. Bah déjà, dès qu'il va faire les équipes, je vais tirer du milieu voilà. de terrain. Voilà. Déjà, va voler les balles des gens. Et tant que je marque pas, je vais continuer. Va et après, des fois, pour continuer, je prends même le ballon du match. Après les matchs, qui reste le moins longtemps avec l'équipe? 3, 2. Je peux me justifier ou pas? Non, c'est juste. Il est amoureux, il a une femme. Les cours. Mignon quand elle va voir ça, elle est contente. Hein. Bah, au moins, j'ai la vérité, je mens pas. Hein. C'est Saint-Raphaël tout ça là. Non, cette année, ça va être mieux, je vais rester plus longtemps cette année. Hi. Bien ça, on a la cette année, je vais rester plus longtemps. Ouais. Ça va être pisse, cette année, du coup. Hein. Bon, qui connaît le moins les systèmes? 3, 2, 1. Non, toi t'abuses. T'as non, lui il ment. Alors lui il ment. Je te connais mieux que toi, gros. Lui il ment. Regarde ce qu'ils sont. Ah, tu prends un zoom là. Mais justifiez-vous, les gars. Comment? Quel système je ne connais pas? Tu te retrouves souvent un peu partout dans les systèmes. Alors, ça, c'est pour créer la percussion, comme dit Draman. Dernière question. Qui, selon vous, gagnerait sur un concours de tir du Letter? 2, 1. Je dis ça. Soyez objectif, je le fais à chaque entraînement dès que l'entraîneur a le dos tourné. Je dis ça. Merci, Lucas. Bah écoutez, il y a une ligne, un panier et des ballons. Allez, c'est parti. J'ai dit que c'était moi. Merci ouf d'avoir visionné cette vidéo. Sur ce bel paron, on se retrouve le 19 septembre à Coulommiers pour le premier match de la saison. Plus vite, on va s'en voir.